Bonjour Bonjour Frédéric. à toutes Merci Frédéric d'être là avec nous. Donc aujourd'hui, on va parler des rouges. Oui. Super. Super. Alors, Yes. on va parler de la symbolique des couleurs sur les différents rouges. Alors vous savez qu'il y a plusieurs rouges. Nous, on va se concentrer sur quatre rouges différents. Donc, comme vous le savez, en fonction de votre colorimétrie, vous êtes embelli par soit des rouges froids ou soit des rouges chaud. Donc les froids seront plutôt pour les femmes été et hiver. Donc dedans, on va avoir par exemple le rouge bordeaux. On a aussi le rouge coquelicot qui est plutôt un rouge un peu au milieu. Donc je vais vous les montrer. Donc ça, c'est un rouge bordeaux. Le rouge coquelicot qui est un rouge très très milieu qu'on peut aussi appeler rouge pompier. Voilà. Le rouge qui finalement qui est, on va dire, un peu adapté à tout le monde, hein, éventuellement, pour ceux qui veulent ne pas se tromper. Et après, on a le rouge terracotta, plutôt donc pour les femmes qui sont embellies par les couleurs chaudes, comme les femmes printemps ou automne. Et nous avons aussi le corail, qui est donc un rouge avec beaucoup de jaune et avec un peu de blanc, qui sera donc un petit peu plus clair et plus lumineux que le terracotta. Alors, Frédéric, est-ce que tu accepterais de nous dire la symbolique des rouges? Alors, peut-être qu'on va commencer par le rouge coquelicot. Oui, alors le rouge, c'est l'énergie de la maman, la mère. Pourquoi? Parce que c'est cette couleur symbolise en Occident, hein, je répète toujours que c'est l'Occident, ce rouge symbolise la terre-mère. Et cette terre-mère, Gaïa, c'est donc une énergie qui nourrit les enfants. Donc, c'est vraiment la symbolique de la maman qui va donner à manger à son enfant, qui va le couvrir s'il a froid, qui va le découvrir s'il a chaud. Ça symbolise toutes les forces vitales de notre corps, notre matière. Donc cette symbolique rouge, ici, avec le rouge coquelicot, elle vient dire que c'est une maman qui apprend à l'enfant à devenir un jour autonome. Donc c'est une bonne maman. Ce n'est pas une maman qui va chercher à garder pour elle les enfants, mais c'est une maman qui va dire à son enfant: voilà, au fur et à mesure de ta vie, tu apprendras à te nourrir toi aussi, sans moi, à porter les vêtements pour te donner chaud ou à te découvrir. En fait, c'est une éducation, hein? C'est l'éducation des forces vitales de la vie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport au rouge bordeaux, s'il te plaît? Ce rouge bordeaux, vous voyez, donc il devient plus foncé, donc il va nous tirer un petit peu plus en profondeur dans la terre-mère. Et donc, du coup, il va venir apporter en plus un héritage transgénérationnel des grands-mères, des grands-mères et des arrière-grands-mères. Donc là, quand on porte ce rouge-là, on a fait la paix avec les grands-mères, les arrière-grands-mères, et on vient dire, en fait, qu'on est très solide, hein, qu'on est très forte et qu'on va être justement très enveloppante et maternante. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le rouge terracotta? Alors, ce rouge terracotta, il est plus subtil, hein? Tu l'as dit toi-même. Donc, il est plus subtil pourquoi? Parce que, vous vous rappelez, le rouge, c'est manger, donner à manger à son enfant. Et là, comme il va devenir plus subtil, il a grandi, il a pris une éducation sur la bonne nourriture. Donc, en fait, quand on porte ce rouge, on vient dire qu'on est plus éveillé, qu'on est un petit peu plus spirituel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va manger des bonnes choses, une nourriture plus vivante, une nourriture plus réfléchie. On va peut-être lâcher, des nourritures basses, à basse vibration, pour aller vers des meilleures nourritures. Donc on le rappelle que l'influence des couleurs, c'est aussi sur la durée. Donc il faut le porter plusieurs fois pour avoir ses bienfaits. Et on peut aussi bien sûr le porter en accessoire. Si par exemple ça ne fait pas partie de votre colorimétrie, vous pouvez avoir un gros long rouge par exemple. Oui, et aussi, on vous rappelle que là, le fait de nous complémentariser, ça vient dire que la couleur, quand elle est portée en conscience, ça apporte une valeur ajoutée. Et que là, en l'occurrence, Amélie vous parle d'être belle, la couleur qui vous embellit. Et en complémentarité, à quoi correspond dans la symbolique psychologique inconsciente la couleur? Et le fait de marier les deux, ça va vous rendre encore plus responsable parce que la couleur vous met en relation, en fait, entre vous et les autres. Donc, quand on va porter une bonne couleur, voyez, comme ça, comme on met de la conscience dessus, on dit, ah bah oui, aujourd'hui, si je porte cette couleur,
ben, je vais dire aux autres que je suis quand même un peu plus évoluée dans ma relation à la nourriture et je suis une personne forte. Et du coup, dernière couleur, le corail. OK. Donc, là, dans la symbolique, qu'est-ce qu'on vient de dire? On est au début du rouge, hein? Donc, ça peut vouloir dire aussi qu'on est en train d'apprendre à être autonome. On ne sait pas complètement. On a besoin un petit peu, quand on est dans des groupes, d'aller chercher quelqu'un qui est un petit peu une maman pour soi. On a besoin de faire seul pour s'exercer, hein. On est avec un rouge, finalement, qui va nous encourager à aller dans notre capacité d'être autonome. Super, bah écoute, en tout cas, un grand merci Frédéric. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, alors, donc, Frédéric Pétorin, karma thérapeute et médium couleur, avec donc une expertise du langage de la couleur depuis près de 15 ans maintenant. J'accompagne en effet les personnes en individuel, mais aussi dans les entreprises sur le langage des couleurs. Et j'ai créé donc des outils très concrets pour vous apprendre, vous, chez vous, la symbolique des couleurs de manière plus psychologique pour que vous puissiez devenir responsable, soit sous forme de jeu de cartes, soit sous forme de livres et de stages où vous apprenez la symbolique cachée de 44 couleurs. Merci beaucoup Frédéric. Donc je me permets de me présenter. Donc moi je suis Amélie Happy, coach en images et j'aide les femmes à se sentir plus belles, à révéler leur style et rayonner davantage via les couleurs. Donc si vous voulez découvrir quelle est votre colorimétrie, je vous invite à découvrir mes accompagnements pour déterminer la palette de couleurs idéale pour vous. J'ai aussi un guide gratuit que je vous invite à télécharger pour booster votre style personnel. Et donc nous, on se donne rendez-vous bientôt ici avec Frédéric pour de nouvelles vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire si le contenu vous a plu, s'il y a des sujets que vous avez envie de découvrir, parce que nous, on a envie de répondre à vos questions. D'ailleurs, toutes ces vidéos, cette série de cette vidéo a été écrite suite à vos questions que vous m'avez envoyées notamment sur Instagram. Donc, bien sûr, on vous invite aussi à nous suivre hein, sur notre chaîne YouTube respective. Donc, pour Frédéric, c'est Frédéric Pétorin Karma Couleur. Et bien sûr, sur ma chaîne Amélie Happy. On se dit à très bientôt et un grand merci à toutes. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, Au merci revoir. beaucoup. À bientôt.